no right to freedom. I wish I could let you rot in this cell. This time I will have to fight fire with fire, or else everything will come to an end. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Immortal Unchained sur PlayStation 4, édité et développé par Toadman Interactive et Sold Out, sorti officiel le 7 septembre 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. J'attaque de suite donc du coup la personnalisation, donc voilà, on prend la classe de base qui est le tracker, parce que j'ai vu pas mal de vidéos dessus. A savoir que voilà, vous avez donc différentes classes, hein, j'allais passer rapidement dessus, mais voilà, le Vandal, le Raider, le Nomade, le Tireur d'élite, le Mercenaire, donc voilà, avec des armes automatiques, d'autres des pistolets mitrailleurs, le Nomade a une classe un petit peu heal qui reprend de la vie quand il tire sur ses ennemis, le Tireur d'élite, bon, je vous explique pas, le Mercenaire, c'est du fusil à pompe, et là, l'arme qu'aura mon protagoniste est un fusil à rafale. Donc vous pouvez voir, au niveau de la personnalisation, il y a quand même pas mal de possibilités. Qu'est-ce que Immortal Unchained ? C'est, imaginez, un TPS, jusque-là complètement basique, caméra en vue par-dessus, etc. Mais croisé avec du Dark Souls, oui, voilà. Alors c'est un jeu où est-ce que on va verser pas mal de larmes de sel, car c'est un jeu très difficile, avec un principe de jeu qui n'a pas du tout été abordé, vu que là il s'agit d'armes à feu et que la plupart des combats du coup se font à distance. Donc un Dark Souls-like distance et pas corps à corps, ça change complètement la donne, et pour moi c'était banco. Un jeu que j'attends depuis très très longtemps, et depuis, là, voilà, maintenant que j'ai pu me l'acquérir. À savoir que ce test, je le fais précisément le jeudi 30 août, sachant qu'il sort donc du coup le 7 septembre comme je l'ai dit. Aucune note sur les sites et sur les comparateurs de chaînes vidéoludiques. Voilà, vous comprendrez qu'il n'a pas encore de note sur 20. J'hésite avec la couleur sombre et la couleur un peu claire jaunâtre du tatouage qui me rappelle étrangement la classe nomade que j'avais eu beaucoup de plaisir à jouer dans les tests de ce jeu. Je sais pas quoi prendre. En fait, j'hésite entre ce truc qui cache complètement voilà, sa gueule et celui-là. Mais on va rester là-dessus. Et ça ira avec le jaune du coup. Ouais. Ouais. Ce sera parfait. Donc après, graphiquement, il est comment dire ? Moyen. Je vais dire moyen niveau graph. Il casse pas des briques, hein, mais il est pas moche non plus. Bon, ça on va passer, on va pas spoil. On rappelle, c'est un test gameplay découverte, donc on va éviter le spoil. Par contre, c'est un jeu niveau touche, donc là on peut pas modifier. Ça vous fait perdre complètement la main sur tous les autres jeux. Si je vous dis esquiver ou sauter, vous allez me dire croix. Bah non, là sur ce jeu c'est rond, et maintenir rond c'est pour courir. Voilà, la croix c'est reloader. Ouais, c'est pas carré. Non, c'est pas carré. Carré, c'est récupérer des objets au sol. Donc, comme je vous ai dit, le gameplay est complètement à revoir. Sur les mouvements aussi, c'est un petit peu bizarre. Hein. Vous voyez, là c'est mon maître en face. Et donc, vous voyez le 90 qu'il a fait pour de suite tourner à droite. Hein. Donc voilà, le niveau mouvement, c'est pas ouf aussi. Et pourtant, c'est une dynamique de mouvement qu'il lui faut à ce genre de jeu. Lui, il a l'air costaud. Mais bon, c'est un jeu que j'ai dévoré en trailer et en test. Donc du coup... Du coup, je sais déjà à quoi m'attendre. C'est un petit peu la mission tutoriel, mais donc elle a été un petit peu modifiée depuis ma dernière vue sur celle-ci. Mais je trouvais que c'était une des missions fondamentales à explorer en test pour vous parler des divers aspects du jeu. Quand je vous dis que le jeu est très Dark Souls-esque, eh bien justement, imaginez que ça, là, cet obélisque, c'est votre feu de camp. On va aller, voilà, les armes... Alors, j'avais débloqué le flingue, on va se l'équiper. Voilà, on peut l'améliorer, le démanteler, vous voyez les perks à droite. Hein. Et là, je peux rien équiper d'autre. Hein. Les attributs, l'arbre de compétences. Mais voilà, on y reviendra plus tard. On va pas expliquer ça.
de suite, je vais y revenir. Alors. Ok, donc restez appuyé, il va continuer à tirer des balles par, 3 par 3, sinon il va s'arrêter au bout de la troisième balle quand on appuie qu'une seule fois sur R2. Bon à savoir, me direz-vous. Pour l'instant c'est pas bien compliqué, vous voyez à peu près. C'est au niveau des mouvements aussi des jambes, vous voyez, c'est un petit peu bizarre ce qu'il fait en fait. Je trouve ça... Enfin c'est des mouvements qui sont pas très coordonnés. Après vous me direz aussi dans les Dark Souls c'est pas très coordonné non plus quand on prend un virage ou autre. Ah mais c'était ce gros machin là qu'il y avait derrière la vitre. La barre bleue c'est mon coup spécial, donc vous voyez que c'est une fumée en gros qui fait une espèce de ouais de dispel en fait, c'est ça écarte les adversaires. Et cette barre bleue ne se recharge que quand vous allez à une prochaine obélisque. A savoir que quand vous revenez dans l'obélisque, tous les ennemis que vous avez tués réapparaissent. Voilà, comme je vous ai dit qu'il y avait des points de comparaison avec Dark Souls, je ne vous mentais pas. Oh. Ah, il m'a enlevé pas mal de vie quand même, même si c'est une mission de tuto. J'en ai perdu presque le quart, quoi. Quasi le quart. Ce qu'on récupère au sol, ce sont des bits de données. Les bits de données, imaginez que ce sont les âmes dans Dark Souls, donc vous le voyez en haut à droite, et c'est en gros la monnaie que je vais convertir pour les obélisques. Une fois que je les retrouve, eh bien, je vais pouvoir les changer pour des points de compétences, améliorer des armes, etc. Ça y est, j'ai récupéré ma fameuse carabine qui sera mon arme principale pendant un bon petit moment au début du jeu. Donc, cette mission, dont celle-là, comme je la connais bien, cette mission tuto, il fallait ouvrir le pont qui se trouvait ici. Voilà. Et on va aller d'abord récupérer notre arme, s'en équiper. Ce qui fait qu'on va faire réapparaître tous les ennemis, mais bon, on va pas retracer toute la map, vu que là, on n'a plus qu'à y revenir. Hop, la fameuse carabine. Voilà, et on peut l'améliorer, vous voyez, il y a différentes couleurs. Blanc, vert, bleu, violet, voilà, légendaire, etc. A savoir que voilà, voyager, vous allez pouvoir aller de point en point, et les motifs, en gros, ce sont des petits passifs à vous mettre dessus, en fait. C'est des petites cartes à intégrer. A savoir que si certaines armes vous en lootez par terre, certaines armes vous demanderont par exemple 10 points de force et 14 points d'agilité. S'il vous en manque, vous ne pouvez pas la porter. Donc votre arbre de compétences sera à monter en fonction des armes que vous voulez jouer prochainement. Voilà, c'est un petit peu l'utilité principale et l'annexe à emprunter pour EP votre arbre des compétences. Après niveau son, il est pas dégueu. Soit par contre sonore, il y a rien à redire. Peut-être un peu lent au niveau des déplacements. On va pouvoir enfin jouer de l'esquive. On va faire un ennemi qui m'attaque. Donc vous voyez, si je continue à burster aussi, ma barre d'endurance diminue, ce qui fait qu'il faut que vous arriviez à jauger le tir en burst, à faire du spray quoi. Alors, spray ça veut dire continuer à tirer, qui va vous faire diminuer la barre d'endurance, et esquiver. Donc vous pouvez pas tirer constamment et esquiver par la suite, parce que vous allez vous retrouver out of endurance et... je sais pas comment on dit, out of stamina peut-être, je sais pas. Les armes de corps à corps qui permettent de... Voilà, déblayer tout obstacle. Ah, j'ai 2350, j'aurais dû peut-être me EP avant de repartir. Bon, ça, les tirs gauche-droite, hein. C'est assez facile. Hein. C'est que quand ils essaient de vous focus qu'il est plus dur de les esquiver. Surtout quand ils ont des armes à dispersion. On sait jamais si une balle perdue qui quitte la lane principale pourrait vous toucher. Vous avez vu qu'un simple coup de corps à corps ce qui m'a enlevé, ben croyez-moi, les balles, ça vous enlève pas moins, c'est même pire. Et forcément, ça me suivait. Ouais, ouais. Donc pour faire simple, dites-vous que l'histoire, on n'en sait pas trop en fait, on découvre au fur et à mesure du jeu. Et en gros, vous êtes un prisonnier qui a été relâché parce qu'un cataclysme est apparu. Ce cataclysme menace limite à une finalité qui pourrait causer l'extinction de l'univers. Et du coup, vous êtes là pour faire le justicier qui sauvera le monde. Je
jusque-là, bon, c'est un scénar tout à fait vu et revu. Mais voilà, le côté intéressant de ce jeu, c'est surtout d'exploiter un style Dark Souls avec des armes à feu, quoi. Et ça, par contre, c'est forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Et je crois bien que c'est mon premier boss qui me fera terminer ma mission. Alors, on va d'abord étudier les mouvements de ce monsieur. D'accord, ok. Alors, mon super cool avec R1 là, qui me fait diminuer ma barre bleue, c'est des tirs ultra précis qui font beaucoup plus mal avec mon arme 3 coups par 3 coups. Choisissez vos items en bas à droite avec, avec les touches gauche-droite, les flèches gauche-droite, et triangle pour jeter ou utiliser l'objet en question. Donc. J'avais des grenades ou des seringues qui me remettent la vie. Voilà, là il a plus d'endu. C'est dans ces moments-là que vous pouvez claquer votre R1 pour vraiment pouvoir le faire tranquille, parce que le R1, faut d'abord le stacker. Il y a une petite roue qui s'enclenche, et une fois qu'elle est pleine, là vous pouvez le lâcher. En gros, ça vous demande le même temps qu'un backstab sur Dark Souls ou Bloodborne, quoi. Et pour l'instant, c'est un 100% no damage. Enfin, je vais dire ça, voilà. Ça va me... Ça va porter malchance. Bon, ça va. Basique. Basique pour l'instant. Mais bon, je sais que je vais en chier après. Voilà la caisse, la fameuse. Donc, oh, ça c'est le loot de fin. Alors là, je sais qu'il va y avoir une sorte d'entrance où est-ce que je vais pas avoir de mission, où est-ce qu'on va m'expliquer l'histoire. Donc, je vais la passer. Et je vous retrouve du coup dessus dans un autre univers, parce que je sais qu'il y a plein de styles, jungle, désert, neige. On verra bien ce qui m'attend. Je vous dis à de suite. Donc, j'ai enfin trouvé une nouvelle obélisque dans ce nouveau chapitre qui est juste après en fait la mission tuto. J'ai commencé avec une zone un peu enneigée, mais à savoir que là je suis plus dans une espèce de donjon nécromantique. C'est assez space. C'est un peu même dégueulasse, quoi. Enfin voilà, il y a des cadavres partout, des ossements, tout ça. Oh là là, oh le monster kill. Que je vous parle, donc du coup, parlons un petit peu d'avantages du jeu. Là par exemple, j'ai pris le tracker, donc vous pouvez le voir, l'un de ses coups principaux, c'est donc du coup le triple burst. Bordel de merde, un sniper. Qu'est-ce que c'est que cette cible au-dessus de ma tête, hein? Parce que là, il me voit plus. Ouais, elle a disparu. C'était toi qui avais fait ça? Ouah. Ah, il me l'a remise. Je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai. On risque de le découvrir ensemble, de toute façon. A savoir, donc, du coup, là, j'ai le tracker. Donc, vous avez vu à peu près, là, toutes ses stats, ses perks, etc. Et, du coup, à savoir que si j'avais pris, par exemple, le Vandal, lui, a une espèce d'AK-47, et son coup avec R1, c'est un lance-grenade, qui permet un bon dispatching, mais comme les ennemis vous viennent souvent de dessus, la grenade peut vous faire un tir allié, en fait. Même si c'est la vôtre, vous allez prendre un gros dégât dans la race. Ce qui fait, du coup, que... Putain, il m'a encore marqué. Mais il tire pas, il ne fait que me marquer. Ah, mais il me marque, tout simplement. Ce qui fait qu'en gros, tous les tirs adverses devraient... On va en avoir vite. Non. Je pensais que du coup tous les tirs des ennemis allaient être guidés sur ma tronche en fait s'ils m'avaient mis un marqueur. Genre peu importe les tirs que j'allais prendre, ça allait forcément être à tête chercheuse. Le mystère. Du coup voilà, le Vandal par exemple, voilà, c'est l'AK avec des lance-grenades. Le Nomade par exemple a un atout qui, quand vous tirez sur l'ennemi, vous récupérez de la vie et il est plus expert en armes de corps à corps. Le tireur d'élite, vous l'avez très bien compris, c'est un sniper du coup par coup avec des gros tirs, mais très peu de maniabilité et d'esquive, très peu d'endurance pour cette personne. Et vous avez le mec qui joue aussi fusil à pompe, beaucoup plus bourrin, etc., avec des dégâts très lourds. Donc du coup voilà, divers aspects et façons de jouer, mais toutes les classes ont bien entendu ont été testées au préalable, forcément, pour voir si elles étaient viables. Toutes les classes sont viables, clairement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, selon moi. Mais voilà, comme celle-ci, c'est celle de base, et comme on est dans un style un peu Dark Souls et qu'il faut que tous les tirs touchent la cible, je me suis dit qu'une arme à rafale étant plus précise qu'une arme automatique au niveau du spray que l'on peut faire avec l'arme, il était logique de prendre une arme à rafale, même si
dans tous les autres jeux style TPS, FPS, l'arme à rafale, pour moi, c'est le mal incarné. R3 pour focus vos adversaires et ne pas les perdre de votre mire, même quand un obstacle vous empêche de l'atteindre. Aïe. Vous avez vu les tirs que ça prend. J'ai dû prendre juste 3 ogives, j'ai perdu clairement plus du quart là, de la ville. Voilà qui est fait. Franchement, par contre, c'est long. Hein. Et on a cette peur constante de ne pas rencontrer une nouvelle obélisque, un feu de camp si vous préférez, pour pouvoir avoir un checkpoint et sauvegarder. Parce que plus vous récupérez des amas de bits de données, plus vous avez peur pour vous, tout simplement. Quoi. C'est radical, quoi. Vous avez tellement pas envie de perdre vos points parce que voilà, vous réapparaissez, vous êtes à zéro. À moins que vous alliez récupérer votre amas sur les lieux de votre cadavre. Vous allez me dire, si on meurt à nouveau alors qu'on n'a pas encore récupéré nos amas de bits de données vu qu'on est mort une précédente fois, est-ce qu'on les perd définitivement? Quelle question, bien sûr que vous perdez tout. Ce serait trop simple, voyons. Donc là, pour l'instant, je meurs pas. Donc encore, je valide pas la véracité de mes propos en disant que le jeu est difficile. Mais sachez que je n'ai jamais joué de façon aussi safety que maintenant, en fait. C'est abusé. Donc ne vous jetez pas à corps perdu dans vos ennemis, car ils savent comment s'y prendre pour vous buter. La barre en dessous de la vie, comme vous l'avez vu aussi pour le boss, là, qui diminue beaucoup plus vite que la vie de l'ennemi sur lequel je tire, c'est son endurance. Dès qu'elle est rouge, vous voyez, voilà, il perd en mobilité, et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous approcher, que vous pouvez tenter du corps à corps avant de faire une grosse esquive sa mère, pour ne pas prendre un énorme coup dans la gueule, parce que autant vos coups de corps à corps font mal, mais les leurs le font 10 fois plus, forcément. La logique. Oh putain, un ordi. Enfin, moi j'appelle ça un ordi. Sanctuaire, voilà. Oh, 25% capacité de munitions, ça c'est beau. Bon, je peux pas ouvrir cette porte, il me manque encore des trucs. Ouais, il y a différentes portes à ouvrir qui vous mèneront... Hein. Ça peut vous ouvrir à des raccourcis, voire même la suite, tout simplement, de l'histoire. Donc il faut que vous tuiez des personnes très précises, ou aller dans des endroits, ouvrir des coffres en particulier, pour obtenir le composant adéquat pour l'ouverture de cette même porte. Donc voilà, c'est non seulement il va falloir fouiller, donc ce qui fait que le jeu va vous pousser forcément à aller sur toutes les zones où il y a des mobs qui peuvent forcément vous buter. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi ? Waouh, c'est quoi ces bolters qu'il a? J'ai plus d'endu. Waouh, mais tu fais mal, mec! Waouh, heureusement qu'il y a ça pour... Crève. Qu'est-ce que ça me fait stresser quand il y a le reloading, quoi. C'est incroyable. Je suis désolé, je suis en plein dans le jeu. Mais bon. À vrai dire, après, je peux pas non plus vous commenter complètement... Enfin... C'est plus du gaming commentary, parce que là, il y a vraiment rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue la merde, là-bas. Arden, tribunal des âmes. Qu'est-ce donc? En tout cas, ce jeu, pour moi, c'est banco. Vous aimez Dark Souls? Vous voulez un autre style de... Ok, c'est un ennemi, c'est un nouveau boss. Alors, on va d'abord étudier. Ok, le mec a une putain d'allonge avec sa hallebarde. Évitez les esquives sur la gauche quand il attaque de la main droite, c'est logique. X rouge, putain, pourquoi tu fais le con comme ça? Et je continue en plus, je suis un abruti, j'ai plus de balles. Oh, je suis pas prêt, je suis vraiment pas prêt. Je l'ai même pas enlevé une barre. Il te fonce dessus, bien entendu. Pourquoi je peux plus bouger? C'est quoi ces trucs au sol? Putain, il y a des pièges en plus, il y a des grabes au sol, vous êtes sérieux? Ouah, je suis mauvais. Là, je me fais enculer. Je suis désolé, les gens. J'ai plus de seringue en plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il balaye. Non, il balaye pas toute la map. Ok, sur un petit rayon, genre 25 degrés. Je me fais encore grab. Ok. Alors, je pense avoir peut-être compris, il faut
J'évite les esquives latérales gauche. Je sais pas quand est-ce qu'il vient me planter, en fait. Je sais pas s'il saute. Je sais pas comment je l'ai esquivé non plus. Non, 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 non. Putain. Je pense qu'en fait, il faut juste se garder un petit quart de la map et jouer de l'esquive gauche-droite. Je pense que c'est peut-être... Oh là là. Oh bordel. C'est incroyable. M'en voulez pas, j'ai pas tout voulu me retaper, donc je vous épargne ça, j'ai fait une petite fondue enchaînée. Donc vous voyez, là il y a mes armes, faut que j'aille les récupérer. Là au moins, j'ai fait exprès de d'arriver avec beaucoup plus de munitions dans mon arme, avec pas mal de seringues, ma barre bleue, histoire d'être plus préparé tout simplement. Parce que ce boss me négocie. En tout cas, ce deuxième boss n'a rien à voir avec celui du tuto. Croyez-moi, Jean Chimaras. D'habitude, commenter tout en jouant en direct est un de mes points forts. C'est pour ça que d'ailleurs, j'arrive un petit peu à me dégager de tous ceux qui font des gameplays commentés. Mais là, je dois avouer que je ne vaux pas le quart du plus mauvais commentary gamer. Je pense de toute façon que vous devez me comprendre, pour ceux qui ont l'habitude de tout ce qui est Dark Souls ou des jeux où est-ce qu'il faut vraiment jouer ou Ultra Sneaky ou même très safety, garder sa concentration et parler en même temps relève un petit peu... Ok... Oh, il m'a pas enlevé tant que ça. Je pensais qu'il allait m'enlever beaucoup plus. En fait, je sais pas quelle attaque enlève plus ou moins, en fait, c'est fou. Je pense que les attaques concentrées, forcément, quand il va vous sauter dessus, vous enlèvera beaucoup plus de vie, ce qui est normal. Mais... Bon, là, ce que je disais, c'est plutôt bon. Garder un petit coin de la map et jouer de l'esquive latérale, etc. Bon, je joue plus en cercle depuis tout à l'heure, mais j'ai aussi peur de me faire grab au sol, là, par ces espèces de mains fantômes, là, qui sortent des fissures. A savoir qu'avant d'arriver à ce boss aussi, j'ai donc du coup parlé à mon chef, il faut que j'active 3 monolithes qui ont la dégaine en fait de cette énorme boule avec un œil rouge qui se trouve derrière moi actuellement. Là voilà, sur le côté gauche. Et en fait, faut que j'en active 3 et après je ne sais pas ce qui m'attend pour le reste de l'histoire en fait. Donc je savais qu'il y avait plusieurs portes avec plusieurs mondes. Il y a 6 portes pour l'instant, j'ai noté. Ça c'est la première. Donc, ce qui fait que s'il faut, il y en a 3 dans lesquelles je vais aller. Ce sera pour absolument rien et juste galérer mes morts quoi. Ah là là, les fameux jeux style Dark Souls où est-ce que vous pensez aller dans un lieu et c'est pas du tout le bon, vous devez tout vous retaper. Ta gueule quoi. Oh, ok, la longe hallebarde avec le jump en haut, c'est son attaque la plus forte, on est d'accord. Enfin, pour l'instant. Non mais là, ok, je prends trop la confiance, je lui ai enlevé trop de trucs, j'ai l'impression... Quand il se met la seringue aussi, il peut pas esquiver, forcément, donc faites bien gaffe quand vous allez activer une potion ou autre. Je ne vous apprends rien. Et puis dès que je vais le buter, je pense que de toute façon, je... De toute façon, il n'y a rien d'autre après à montrer réellement après dans le jeu, donc je vais m'arrêter là, mais j'aimerais bien une victoire, en fait. En plus, j'ai vu dans un tuto qu'il y avait une super arme à débloquer quand on le butait, lui. Yes. Ok. Bon. Du coup, le premier monolithe a été... Du coup, je vais pouvoir l'activer. Une deuxième arme pour moi. Le premier sur 3. À savoir ce qui m'attend par la suite. Voilà. J'espère que du coup, tous ces petits aspects de ce gameplay découverte de Immortal Unchained vous aura bien plu. Sur ce, voilà, je ne vais pas vous en montrer davantage. J'espère que ça vous a hypé tout autant que moi. En tout cas, moi, je suis parti pour le dévorer et verser un nombre incalculable de larmes de sel durant ce jeu. Je pense que je vais peut-être jeter une manette. Non, je pense pas, ça me ressemblerait pas, mais ce jeu pourrait peut-être y arriver. Sur ce, du coup, j'espère que ce gameplay découvert vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !